Et plop les gens, de retour sur Cartel Tycoon. Maintenant qu'on a la CIA au cul. Hop. On peut augmenter. Et la terreur, c'est pas si grave. Maintenant que c'est trop tard quoi. Toi, tu peux prendre un peu d'argent là. Cambriolage terminé, oui. Faut éviter, c'est que toi tu pompes dans les ressources en fait. Mince, ici c'était fini. Que elle pompe dans les ressources, c'est pas si grave dans le sens où on envoie un peu trop d'opium par rapport à ce qui est envoyé. On s'en fout. L'opium, ça va. Mais pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Toi, t'as quoi? T'as plus de thunes, c'est ça? Toi, encore une augmente. Je t'ai augmenté il y a pas longtemps. À moins que je me trompe. Petit montant. Ah bah voilà, 60 000 d'argent propre d'un coup. Tout pour le mieux. Non, toi tu prends de l'argent propre. Hors de question que tu continues de piquer dans les caisses tout l'argent qu'on est censé se faire. Toi, tu n'as pas de café. Ici, certaines fermes ont du café, mais pas toutes. Est-ce qu'on va réussir à remonter la pente ou est-ce que ça sera une fin de game là-dessus? Sachant que c'est... Ils ont fait le jeu de sorte que ce soit jamais vraiment une fin de game, hein, vos... Je sais pas si je vous en avais parlé, mais c'est difficile de. Je pense que c'est très difficile de vraiment perdre le jeu. Surtout quand on a un petit peu un empire, un petit peu. On pourrait avoir des légumes, hein. Je crois qu'il y a une plantation de légumes dans le coin qui peut se faire. Une plantation là, ce serait parfait. Ou deux peut-être. Allez, deux plantations. Paf. Allez, allez le lag. Allez la sauvegarde. Sauvegarde qui prend quand même vachement son temps. Non, tu veux pas. Là, j'ai vu que tu voulais. Moi, je m'en fous si t'es pas carré. Hein. J'ai vu un petit sang, sinon. Quand même. Non, tu veux te bloquer à 98. Voilà, efficacité 100%, c'est parfait.
En face, on y met logistique, un dépôt de niveau 2 au moins, peut-être 3 tant qu'à faire. Voilà. Ici, il faut qu'on rachète. Ouais, c'est ça en fait, quand je rachète tout d'un coup. On va attendre que ces bâtiments soient construits, n'est-ce pas? Et on pourra faire une petite exploitation de cannabis par là-bas. Est-ce que... Non. Ressources, plantation, est-ce que le cannabis... On peut en faire plus ici, hein, 72, 92 quand même. Là, mais c'est plus dans la zone. Non, non, là, le 92, il était parfait. Si je réussis à le retrouver, voilà. Ok, c'est le port le moins embêtant qu'ils sont en train d'investiguer. Ça me va. Ici, on va faire comme ça. Comme ceci, ça va aller très bien. Et il va nous falloir... un à deux séchoirs aussi, donc ça doit être en production ici. Oui, oui, oui. J'en préparer deux directs, hein. On n'est pas trop avare chez moi. On a du blé, c'est pas qu'on le montre, mais il faut qu'on s'en serve quand même, quoi. Toi, tu vas là. D'ailleurs, ce serait bien. Oui. Oui. Ah, il n'y a plus de thunes. Ok, si, c'est bon. Et... Tac. Tac, c'est très bien. Très mieux comme ça. Et est-ce qu'on regagne des sous si on... Non, bon, tant pis. Pas si grave. Alors, ce qu'on doit faire quand même, maintenant que... On se fait plus trop bouffer les thunes, il faut qu'on... 400 unités. Ouais. Il faut qu'on réussisse à vendre. Il faut qu'on réussisse à avoir... à avoir des contrats. Tu veux aller faire un kidnapping là-bas, par exemple. Donc 26, 40, ouais, ça devrait... Je pense que ça devrait le faire. Interruption de l'enquête, donc... La vie peut reprendre. La vie peut reprendre. Toi, t'as pas de café. Toi, il faut que tu sois en place aussi. Ici, y a pas de thunes. Ok, y a 4 camions qui arrivent. Je devrais faire répartir les choses et on espère que tout fonctionnera bien juste après. Oula, 2000, oui. Oui, mais non. Peut-être d'abord commencer par faire des... Donc ici, il y a trop. Tu vas livrer. Hop. Ici. Tu arrêtes les livraisons dès que possible.
Le kidnapping est effectué, donc toi tu vas revenir au centre de la carte. C'est déjà relié, très bien. Ok, cet entrepôt s'est remis en route, il va pouvoir livrer tous les ateliers, c'est parfait. Ah mais toi je vais devoir te level up niveau 3, j'aurais dû te mettre niveau 3 juste pour pouvoir atteindre tous les ateliers. C'est pas grave. Toi t'es accessible, vous je ne sais pas trop encore, mais si la résidence garde du stock à un moment, on dirait que vous ne l'êtes pas. Voilà, l'opium, on en a fait plus de la moitié en pas longtemps. Le cannabis, on est moins bon. En même temps, il y a eu il y a quelques soucis d'approvisionnement en matière pour cacher, donc c'est pas si étonnant. Là, les trois ateliers fonctionnent à plein régime. Ça devrait le faire en plus. En plus, le cannabis, il le cache bien, on va dire. Alors, combien ça va nous rapporter 80 000 ici, donc ouais, un bon gros stock d'argent. Combien ça va prendre en plus? Là, on a plus de légumes en stock qu'un trajet va pouvoir prendre. Par contre, le café, bien évidemment, on n'en a pas assez. Bien évidemment, parce qu'on avait vu que c'était quasi... c'est des énormes chiffres. Le nombre de cafés qu'on pouvait embarquer. Ce qui fait donc 20 000... Qu'on va gagner 20 000 juste avec l'opium. Ah ouais, mais l'opium, ça se vend à pas cher comparé au cannabis. Bon alors là tout est en train de cesser d'être opérationnel, mais bonne nouvelle, il y a de la thune qui vient d'arriver. Donc la résidence va chercher la thune, va répartir comme elle peut. Ici, toi ce serait cool que tu t'occupes pas de la plantation. Hop, hop, et hop. Donc là, vous répartissez la thune. Et dès que vous l'avez bien réparti comme vous le pensez, dès que je vois qu'il y a deux camions qui... Au moins deux camions qui restent. S'il reste de la thune, j'en enverrai mon chef commencer à livrer ces endroits-là. Il y a aussi cette résidence qui s'alimente à cet endroit-là. Mais en soi, ça a l'air bon. Tac, ici on a un peu une. Ici c'est vraiment limite, mais. Vu qu'on a tout réouvert, ça devrait aller pas assez d'argent pour payer les frais de l'entretien. Ah, 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 ah. C'est
celle-ci va chercher beaucoup trop loin. Et nous avons l'armée nationale qui est envoyée, donc blocus d'une ville. Suspense. Hop. 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 Et... Wow, si tu vas pouvoir commencer. Alors non, en fait, vous êtes dans le rayon d'action de l'hôtel, donc vous allez pouvoir vous contenter d'argent sale. Voilà, donc vendre de l'opium, c'était facile, on est déjà à la moitié du cannabis, un petit peu plus, alors qu'il nous reste pareil un peu plus de la moitié du temps. Alors le blocus c'est embêtant dans le sens où c'est là où il y a l'argent. À part ça tout va bien. Ah ouais, il y a tout l'argent qui était dans la ville qui a été perdu. Ça c'est pas cool. Cool, mais la prochaine cargaison, quand elle reviendra? Logiquement, oui, elle reviendra bien avant que le blocus soit fini. Cette résidence pourra en profiter et ravitailler tout le monde parce que l'hôtel là-bas piquait tout l'argent. La résidence n'arrivait pas à se fournir. En parlant d'argent et de résidence, celle-ci a 11 000. Ce port-là, encore masse de thunes et il n'est pas fini. Et cette résidence là est blindée, donc toi tu vas livrer de l'argent à chaque pour la construction de chacune des mince là non oui 100 net dit que t'avais de l'argent oui livrer de l'argent. Ici. Alors oui, c'est peut-être ça qu'il faut faire aussi. Peut-être leur dire non mais la ville est en pause. Ne vous en faites pas. Ah bah oui. Alors tu vas aller là. Et tu vas livrer ici. Parce que là t'as besoin de 6000, donc c'est parfait. Tu arrêtes, tu vas dans cette plantation et tu vas livrer l'argent à la résidence. Voilà. On a perdu 12 000, mais on va repayer la résidence et tout va bien aller. Alors arrêtez, tu retournes à la résidence parce que la résidence niveau 2 n'a pas assez d'argent à mon goût. On remonte la pente, en fait je pense que je devrais vraiment faire gaffe à toujours avoir des contrats pour vendre du cannabis et de l'opium. Sinon je ne gagne pas assez d'argent. Je suis en train de voir que... Ouais, déjà j'ai pas vu la CIA qui est censée m'attaquer, mais mais bon, si c'est pour avoir l'armée des États-Unis en plus de l'armée nationale. Pourquoi l'armée des États-Unis hein? Élimination, les renforts traqueront et élimineront vos lieutenants dans une zone précise. D'accord. Il y a des choses qui passent par là-bas. D'accord, oui. La sauvegarde. Je viens d'y réfléchir, mais ce port s'attend à recevoir des choses qu'il n'aura jamais. Nous avons les ateliers niveau 3.
Ici tout a l'air presque à sec. c'est étrange. On dirait qu'on a plus assez de cannabis ni de cannabis séché. C'est très étrange comme sensation. Hop, tu peux aller dans cet atelier là. Toi, tu vises déjà deux ateliers plus une plantation, oui, oui. Oui, mais là, tout se passe bien. Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas pas chercher ta thune? Est-ce que t'es qu'une résidence de niveau 1? Tu vas. L'église est à l'arrêt. On va l'améliorer quand même. Comme ça, son. Parce que là. Non, là, y a pas... la thune, ça va en fait. J'étais pas obligé de l'améliorer. Ici c'est la galère pour avoir des thunes de partout. Ici, il y a trop de thunes. On peut réactiver d'ailleurs les passages au casino. Ici, c'est pas la thune qui est en trop. J'ai un dépôt niveau 3 par plantation et c'est pas suffisant quoi. C'est fou. Produisent énormément. Tu vas livrer des feuilles ici. Boum 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 boum. Et tu vas arrêter les livraisons. Parce que les séchoirs ont peu de stock. Donc tu retournes là et tu livres séchoir du fond. Ah, tu t'arrêtes et tu vas livrer au séchoir du milieu. Voilà, tu t'arrêtes et tu vas livrer au séchoir de devant. Et tu retournes non pas à cette résidence mais à celle-ci. Toi, si t'es censé pouvoir gérer avec de l'argent sale, c'est que la résidence elle gère plus peut-être. En même temps, deux camions pour ces bâtiments, je peux comprendre pourquoi on ne peut pas l'améliorer. Il faut d'autres recherches. 100 000, ok.
Non, on va améliorer les séchoirs. Alors ici, on peut reprendre les... voilà. L'église aussi, le casino a jamais été à l'arrêt. Et toi, tu peux retourner à l'église. Très bien. Toi... Là, il y a 20 000. Il va bien falloir que tu reprennes l'argent du port maritime pour le dispatcher de partout. Toi, y a qui? Toi, y a que 7. J'utilise le séchoir de plus haut, mais c'est mort. J'utilise le deuxième à la limite, mais pas le plus loin. Là, les deux dépôts n'arrivent même pas à gérer suffisamment bien. Un trajet avec deux, non, c'est que des 23, mais il n'y a pas besoin de faire des trajets avec juste deux, ce genre de chiffre. Quand alors, atelier, logistique, dépôt, ouais, on va se mettre comme ça. Non, annuler. Il nous faut un dépôt de niveau 3. Hop, hop. Ici, une mini-route qu'on va supprimer. Voilà, une petite relique. Donc, dépôt avec de l'argent sale de niveau 3. Hop. Soit je me relie à ces deux ateliers par défaut. Plutôt les deux ateliers en fait. On va faire une route en gravier qui va faire juste ça. Hop. Oui, la résidence, elle arrive, elle fait ce qu'elle peut, mais elle est lente. J'ai l'impression qu'il y a quand même une diminution de la production par rapport à avant. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai du manque d'argent ou quoi, mais à l'époque, enfin avant, au début de la partie. Au début de la partie... même tous ces dépôts, ils étaient bondés, ils arrivaient même pas, lui il arrivait jamais à se vider à l'aérodrome, donc je sais pas si les camions vont un petit peu plus vite, si les fermes produisent un peu plus lentement malgré le 100%. Je suis pas sûr, mais il y a quelque chose de ce genre là qui se passe. Tac tac. Tu as 3 000 balles, oui.
Ici, la réserve est vide. Quoi, tu as 3000 balles, il y a masse de trucs à faire, mais il n'y a qu'un seul... Qu'un seul camion qui est en cours de voyage. Toi, forcément du niveau 1, ça va pas le faire. On peut t'améliorer niveau 3 direct, je pense. Hein. Vu comment là-bas il galère à faire une plantation, là t'as plantation plus 2 fermes. Clairement, il va te falloir un peu de niveau. Toi, logistique ici c'est bien. Et là-haut, hein. Toi, tu peux réouvrir tes portes. Alors toi t'es S très vite, toi t'es L lent, donc tu vas aller là, vous allez vous inverser tout simplement. Et toi tu vas livrer l'argent du port, vu qu'on n'a pas de résidence qui gère, tu vas livrer l'argent du port à la banque. En 3 trajets dans à peu près, il devrait avoir vidé tout l'argent du port. Hop, hop. Et donc en vidant tout l'argent du port, ça fera plus d'argent propre. Mais... Oui, ça fera plus d'argent propre tout simplement. Oui. Ici, pourquoi tu imposes? Tu n'as plus de thunes. Parce que toi... ouais. Parce que toi, t'es en confiscation. Ah ouais. Toi, tu vas livrer de l'argent à une certaine petite résidence, là. Si, si, à la résidence. Parfait. La résidence a besoin de toi, alors profite, tu es son héros. Voilà, la résidence, elle va pouvoir distribuer l'argent un peu partout pendant que lui, je vais lui laisser faire au moins un deuxième voyage. Vu qu'il y a quand même encore 3000 balles à mettre pour l'entrepôt. 2000, d'accord. Donc là on va arriver à, j'allais dire 22 000, il pourra faire un autre voyage dans tous les cas. Ça fera juste que la résidence n'aura pas à aller chercher l'argent pendant un bout de temps. Et ça sera pas plus mal si vous voulez mon avis. Celle-ci elle est blindée donc c'est parfait. Notre chef peut même donc aller... supporter les activités de cette résidence. Voilà. Il y a de la thune ici, il commence à y en avoir pas mal qui s'accumule, sachant qu'on était à zéro. Là il y en a 26 000, si je refais un voyage ça va faire 38. Mais la résidence n'a pas besoin de faire d'autre chose, donc on va arrêter les livraisons tout simplement. Une augmente. Ça va. Non, c'est là, je peux le faire d'ici. Ok, non, tout lag. Petit montant, voilà, tu passes loyal, c'est parfait. Toi, tu essaies trop de te servir dans l'opium, en fait. Quoique.
Je dis ça et en fait, malgré tout, il reste quelques stocks. Oui, alors on en est à 26, là on en est à 125, tout se passe pour le mieux. Ici on a, je sais pas trop en combien de jours on a fait, mais apparemment un quart, un tiers. Et on a déjà blanchi la moitié de l'argent qu'il nous demandait de blanchir. Après c'est blanchir, c'est pas... Alors toi tu vas arrêter, je sais pas moi, oui celui-là au pif, et tu vas livrer cet atelier là-bas, il a besoin d'aide tout de suite. Ici ça se passe comment? Ici ça se passe qu'il y a de la thune, mais qu'on choisit... Ah non! Ok. Donc on choisit de pas s'en occuper. Peut-être que l'autre ferme là, elle est un peu trop loin aussi, voilà. Comme ça, tu travailleras comme une vraie résidence, l'hôtel. Ici. Le dépôt a trop voulu donner à l'atelier, c'est pas ouf. Ne pas oublier de faire un don à l'église, toujours. Séchoir 3, oui. J'avais pas demandé la résidence un moment, non, j'ai jamais eu les sous, effectivement. Ce qui fait quand même que... Oh punaise, toi j'ai oublié. Toi, il faut absolument que tu ailles au séchoir le plus loin, au séchoir le plus proche, et... Tu as ces deux ateliers. Est-ce que je te fais... Non, il y a cette plantation. Hein. Voilà. Tu as un peu aidé, mais tu as stocké sans redispatcher, ce qui n'est pas ouf. Ok, ici on peut... De nouveau envoyer des légumes, donc on va de nouveau tout envoyer tout simplement. Par contre l'aérodrome, il ne se passe rien, ne vous en faites pas. La déva est très insistante, contrairement au reste. Ici on a nos plantations, on a tout. Ouh, mais le Los Grandes a beaucoup d'argent, évidemment le port fournit beaucoup de thunes, hein, forcément. S'il est pas en pause, il transforme à fond. Ici on est censé être dans la portée de la résidence. Hein. D'ailleurs le camion est en train d'arriver. Juste que... Bon. C'est long. Alors là c'est 32 par 32 tous les 8 jours, d'accord. À cause de l'efficacité à 30%. Alors qu'ici c'est le même temps mais c'est 8 par 8 et non pas 32 par 32. On comprend donc bien que cette... ce dépôt un poil plus loin va être beaucoup plus efficace pour ramener de l'argent, enfin pour ramener pas de l'argent, du café. Donc ici on a 180, le café c'est plein, ici 160, où on pourrait avoir une autre zone de... un autre atelier, mais... autre atelier, où est-ce que je le mets? Surtout que les dépôts n'ont pas de flanc entre guillemets accessible, ici peut-être vraiment à l'arrache en mode oui ça tient, mais là ici peut-être qu'il y a... Attendons, regardons atelier, est-ce que tu peux te mettre, non tu peux pas, et ici est-ce que tu peux, hein, tu peux pas, hein. Donc on pourrait avoir un atelier, mais... Si, bah, comme ça il y en a
un qui n'est desservi que par ce dépôt. Et l'autre qui n'est desservi que par celui-ci. Celui-ci, on pourrait l'améliorer d'ailleurs. Pour qu'il puisse desservir plus d'espace. Ouais, non, non, ça serait possible. On a 1100 légumes. Alors là, comment ça se passe? Là, c'est blindé. Là, il n'y a rien. Très bien. Je pense qu'on peut réouvrir celui-ci. Celui-ci, j'ai toujours du mal à y croire. Voilà, les missions qui sont pas très compliquées quand on a nos infrastructures en place. Là, ils vont tous à l'hôtel, alors que il y a de la place dans la réserve de l'hôtel. Eh bien, ici en deux trajets, il pourra réalimenter la résidence. Résidence qui se dit en alerte, mais c'est juste parce que il y a rien qui fait le trajet en automatique pour elle. C'est un lieutenant, mais. Mais les lieutenants, c'est pas censé faire des trajets en automatique, bref. Apparemment, en tout cas. Alors toi, comme atelier, est-ce qu'on t'augmente? On peut t'augmenter. Je sais pas si ça augmente l'efficacité. 3 heures. 3 heures, 0, 3, oui, d'accord. 3, ouais. Efficacité 67. Ok. Par contre, c'est les séchoirs qu'on peut augmenter. Et on peut rechercher une petite résidence. On va le faire, même si c'est très risqué. Bon, on dirait qu'il y a comme un petit problème. Éclaire ma lanterne, Ramos. C'est quoi ton putain de problème? Il sourit avec condescendance et avance d'un pas pour bloquer la sortie. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Vous devriez tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler aux journalistes. Maintenant, l'attention est sur nos affaires et on nous pose des questions indiscrètes. Alias Crotal. Et si je dis que je ne connais aucun journaliste? Ce ne sont que des mensonges, il y a beaucoup d'argent en jeu et je n'ai pas de temps à perdre avec cette connerie. Donc c'est une question d'argent, on peut s'arranger, donner de l'argent sale ou ce n'est pas mon problème, la terreur va augmenter. Donc c'est une question d'argent, on peut s'arranger. Oh, c'est un tueur à gages, d'accord, quand on a tué deux journalistes après, c'est un tueur à gages qui vient nous voir, très bien. Très bien, il faut 80 000, oui, oui, bien sûr. Mais c'est plus faisable. C'est plus faisable parce que mes... comment s'appelle mes ports sont pleins de thunes. Donc même si je prends l'argent des résidences qui sont un peu à mi-parcours, ça peut le faire quoi. Mais n'empêche, voilà quoi, une dépense, au secours, les journalistes sont sur le coup. Ou alors il faudrait que je joue en x3 pour qu'il y ait suffisamment de temps qui se passe. Oui mais bon. Moi j'aime bien jouer en vitesse lente, prendre mon temps, tout ça, voir les affaires évoluer et petit à petit. Toi t'as déjà trop de légumes, d'accord. Ouais, non, non. Toi c'est lequel? C'est celui-ci. Hop. Et tu en redonnes à celui-là qui en avait plus. Enfin, il n'est qu'à 150. Lui.
On va devoir mettre un autre atelier. Par ici. Alors, 1, 2, 3. On va mettre niveau 3 juste pour changer un peu le design. Toi, tu vas livrer lui. Toi, tu livres les deux quels, ok. Ah, oh, il manque des sous. Il manque des sous à l'hôtel. Enfin, dès que je paye de l'argent propre, en fait, c'est ça le... J'ai l'impression, dès que je paye de l'argent propre pour une recherche ou quoi, t'as un tueur à gages ou t'as un journaliste qui... qui passe. La logistique, tu vas à ce port-ci. Bah, tu vas pouvoir faire les trois en fait, donc je vais pas me gêner, je vais t'envoyer de partout. Comme ça, si jamais il y a un souci, tu pourras le gérer. Soudoyer le tueur à gage, ça veut dire que tu vas arrêter les livraisons. Effectivement, tu pourras avoir un peu de pactole dans la ville. Ça sera pas gênant. Toi aussi, tu vas arrêter les livraisons parce que la résidence... si elle doit récupérer de l'argent tout le temps et qu'elle peut pas le disséminer là où... là où elle le veut, c'est pas ouf. L'argent sale, on réussit tant bien que mal. Ici on est combien? Ici on est à 20 000. Oui, c'est très bien 20 000. Ici il va y avoir des petits montants par-ci par-là. C'est bien ça. C'est pas mon port principal. Hein. C'est pas lui sur lui que je compte pour avoir masse de thunes. C'est plutôt sur lui en vrai. Peut-être un peu trop même. Est-ce qu'ici on peut rajouter des choses? Bâtiment, on pourrait rajouter un parc d'attractions ou un club de salsa. Donc 600 en 2 jours ou 2800. Non. Oui, 2800 en 3 jours ou 600 en 2 jours. Plutôt un parc d'attractions à Amado. Voilà. Ici, on va pouvoir faire une bijouterie, un cirque. Je crois que le cirque, on en a déjà un. On va juste pas se répéter d'une ville à l'autre. Bijouterie, je sais pas. Organisme caritatif. C'est pas trop non plus. On va dire une bijouterie. Bien les bijouteries. Avec de l'argent sale, hein, sinon le tueur à gage va revenir me dire bonjour. Et ce parc d'attractions, par quoi je vais le relier? Alors lui, c'est cette résidence. Lui, c'est cette résidence et lui, c'est les deux. Donc je dirais bien, cette résidence c'est pas non plus celle qui... Oh quand même. Mais je dirais bien que... Non mais si en fait elle a de l'argent cette résidence. Pendant que... Vu qu'il y a le lac de la Sauvegarde, je vois qu'on peut faire des dons à l'église. On va le faire. Hein. On est comme ça nous. On est généreux avec les églises. Vous pouvez pas savoir.
Mais toi, tu vas arrêter d'approvisionner l'église, tu vas approvisionner le parc d'attractions. On a fait plus de la moitié du blanchiment qui nous est demandé et il nous reste plus de 90 jours. Donc c'est parfait. Toi, tu fais ce que tu peux, mais... Ah oui, alors toi, c'est quoi? C'est légumes et cannabis, oui, cannabis, pas opium. Ouais, parce que c'est... Le dépôt était en train de se surcharger en cannabis. Cannabis! Allez, avance, cannabis! On est en train de faire la recherche pour la résidence cette fois, si je me trompe pas. On a dit qu'on pouvait les améliorer. Cannabis séché 3. Cannabis séché 5 pour la même quantité de cannabis de base. Si c'est pas magnifique, on augmente notre production alors qu'on n'a pas... Enfin, on... ouais, voilà, on augmente notre production parce qu'on réussit à convertir la même quantité de cannabis en plus de cannabis séché. Sauf que les ateliers restent un peu à la ramasse, quoique ici ça va à peu près. Non, ici ça va en fait. Ici c'est les dépôts qui en peuvent plus. Lui ça va. Lui... C'est les dépôts qui en peuvent plus de juste essayer de vider les plantations, remplir à tout. Ils n'en peuvent plus. D'ailleurs, ça me fait penser que je pourrais mettre tout simplement un séchoir ici. Hop, de niveau 2, je pense qu'il est dans le rayon de la résidence. Voilà, parfait. Comme ça, il sera dans le rayon de cette résidence, de ce dépôt-là. Le séchoir tout en haut, on s'en fout. On va pouvoir même mettre un autre dépôt. Non, dépôt niveau 3 quand même, on se respecte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Ça devrait aller. Et on va ouvrir cet endroit-ci. Ici, ça, le dépôt a vraiment beaucoup de mal. On va lui donner un collègue. Là, ça m'a l'air plutôt bien. Faut juste voir. Il a aucune ferme associée, j'ai l'impression. Donc, il va falloir lui associer les fermes. Mais à part ça, ça va être bon. L'agence de Tony Quintero est faible. Est-ce que tu veux un petit remontant? Par contre... non, on peut pas. Oh, bientôt l'église. Il ne faut pas oublier, il va falloir essayer d'être régulier. On sait que c'est pas notre fort. Mais il faut essayer. Après, en soi, je pourrais faire un dépôt qui prend depuis les plantations et les fermes et qui met dans les séchoirs, et l'autre dépôt qui prend depuis les séchoirs qui envoie aux ateliers, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Donc ici et là, on est rempli, hein, on a les stocks pleins. Ce dépôt a les stocks pleins lui aussi. Ok, c'est la merde. Pause.
Pause. Tony, Tony, mon bon Tony. Ici. Ici on déborde et pas là, donc c'est parfait. Toi tu vas faire une livraison de légumes jusqu'ici parce qu'il me semble que celle qui est un peu plus loin. Non, il n'y a pas plus de marge. Et tu vas arrêter la livraison juste après. Voilà. On va peut-être continuer à. Ça, ça devait peut-être dire qu'on peut redire bonjour aux églises. Voilà. Non, ce que je voulais faire, c'était peut-être avoir un autre atelier dans le secteur, toujours. Hein. Mm-hmm. Donc toi, tu vas livrer aussi à cet atelier. Cet atelier, on peut pas encore le gérer. Toi, tu veux aussi livrer à cet atelier. Un aérodrome. Mais vous m'embêtez avec les aérodromes. C'est pas là où je fais le plus de blé en plus. Vous voulez m'embêter là-bas. Tony, tu peux retourner en ville. L'hôtel a pas mal de thunes. C'est juste un peu blindé de légumes dans le coin. On va les améliorer, ceux-là. Pour leur dire, au fait, logistique, vous êtes au courant, il y a un troisième port, il est un peu loin, mais... Mais ça nous arrangerait que vous dispersiez un peu plus les... vos livraisons. Parce que celui-ci n'en peut plus. D'ailleurs, toi, on va t'améliorer aussi. On va faire la même chose. Sauf que... Ah oui, parce que toi, tu livrais exclusivement là. Hop. Non, tu livrais... Ah non, d'accord, oui. Toi, logistique, tu livres ici, tu livres là, et tu vas livrer là-bas. Je peux pas dézoomer plus, je pourrais le faire depuis la mini-map, mais je trouve que malgré que là, c'est un peu en train de saccader quand je fais des grands trajets, au moins ça ne... comment dire ? C'est plus facile, c'est plus précis pour moi. Donc là, les trois ports, là, les trois ports. Et là, tu as les deux premiers ports, mais pas le troisième. Voilà. Donc ce port va devenir lui aussi un exportateur aguerri de légumes. Et non pas principalement de café. Non plus principalement de café. Quoique, attendez. Ah, c'était déjà des légumes qu'il transportait, d'accord. Ici, on a 100 000. Ici, on a 200 de légumes. Et pas beaucoup de thunes. Ici, on a 20 000 de thunes et pas beaucoup de légumes. Ouais. Et qui est en train de devenir farouche, ok. L'aérodrome, c'est ok. Tu vas où? Va. Va, mon bon. Qu'est-ce que tu vas essayer de faire? Si je regarde tes compétences, essayer de faire un assassinat. De démolir un bâtiment dans la ville d'en face. Juste de l'attaquer. Qu'est-ce que tu veux? Mais... ce que tu veux, toi tu vas pouvoir par contre aller au port. Et tu... Ce serait cool que tu ne...
dégénère pas par contre. Alors maintenant on a beaucoup de thunes ici, donc toi tu vas pouvoir te servir dans la thune. Pareil, on a pas mal de thunes là. Non, ici on en a rien. Ici, ici la thune s'est blindée, faudrait que t'arrêtes de faire des allers-retours toi un peu. Faudrait plutôt laisser un hôtel, mais apparemment on peut pas un... Comment ça s'appelle ? Une résidence s'en occuper. Alors toi tu vas arrêter la livraison là. T'as fait un cambriolage, c'est ça hein ? Tu l'as pas dans tes compétences pour moi, mais mais quand il s'agit de le faire comme ça, gratos, tu peux. Eh bien, et ben, leur livrer cette résidence. Ici, nous avons beaucoup trop. Donc, tu vas livrer ici aussi. Cet aérodrome commence à se remplir, même s'il n'est pas plein. Est-ce que... Non, toi, t'as aucun atelier dans ton champ d'action, c'est pas ouf. Surtout si je dis à la résidence un peu plus loin de venir... Enfin, au dépôt qui est vachement plus loin de venir sur tes plates-bandes. Là, il y a beaucoup de légumes, donc on va mettre en pause l'un des deux. Dites-vous que ce ne sont que des plantations de niveau 1 que... Ah. Donc vous, vous bossez plus ou moins à 100%, hein, 86, 93. Oui. Là, ça se passe comment? Là, ça se passe pas. Hein. Lui, il bosse pas. Pourquoi lui, il bosse pas? Parce qu'il a pas de légumes, c'est ça? Normalement si, c'est juste, c'est pas que c'est pas de l'opium que je veux qu'il transporte. Après, si vous voulez bien faire de l'opium, ce serait pas plus mal. D'ailleurs, non, toi t'es déjà plein. Oh, quoique, on peut. Non, pas un atelier, un dépôt. Je voulais un dépôt d'abord, niveau 3. Il va s'occuper des deux mêmes. Est-ce que... On va le mettre là. Toi, tu vas arrêter. Voilà, et toi, tu vas arrêter ta livraison après. Ici, on va mettre un atelier. Niveau 3, parce qu'on peut. Voilà. Et donc toi, tu vas livrer plutôt lui. T'en sors hôtel? Non, pas vraiment. Oui et non. Où est mon capot? Il est dans cette résidence-là qui a quand même plus ou moins besoin de ses services. Ouais, si. Rester là. Est-ce qu'on peut retourner à l'église? Oui. On y retourne, on refait des donations. On a pas mal de choses qui ont l'air de fonctionner comme il faut. Que toi, tu faut que tu livres un truc fermé. Ah oui. Mais toi, t'es censé avoir l'argent. Mais non, il manque une route. Voilà. Voilà. Mmh.
côté par là, je voudrais juste finir ce... Donc il y a le lac de la sauvegarde. Je voudrais juste finir ça pour pas être perdu la prochaine fois. D'ailleurs, il nous reste quoi? Il nous reste 90 jours et on a déjà fait 800 000. Et donc qu'on est plutôt efficace, beaucoup plus que ce que je ne craignais. Alors toi, tu vas livrer tous les ateliers. Voilà. Toi, qu'est-ce que t'as comme souci? Il n'y a pas assez de... D'accord. Toi, on n'a pas assez de... D'accord. Et pour les dépôts sont vides. Donc effectivement... Hein. Effectivement, il va falloir mieux répartir, te donner un peu plus plutôt que remplir les stocks des autres. Et bon, le jeu n'est pas hyper intelligent pour répartir les ressources. Ça, j'avais déjà remarqué, c'est un petit peu dommage. Donc toi, tu te gères les trois ateliers là-bas. On va réouvrir. Tu gères surtout cet atelier là. Et cet atelier là. Attends, je vais me mettre sur la carte pour qu'on essaye. Mais cet atelier là, tu vas faire de la logistique pour ce port. Pour ce port. Ouais, en fait, ça va à peu près. Mais c'est juste que pour passer au suivant, j'aurais dû redézoomer puis rezoomer. Inverse. Tout m'a l'air. Plutôt bien fait, sauf qu'ici il y a trop de légumes, mais c'est pas grave, le bateau est en train d'arriver. Il va falloir qu'on réussisse à s'étendre, qu'on réussisse à avoir des nouveaux points de vente. Donc le checkpoint ici m'a l'air intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a un deuxième là, donc celui de droite un peu plus intéressant vu qu'il est un peu plus proche de notre territoire. Ici, d'accord, une réserve militaire, des aérodromes. C'est vrai que les aérodromes, je pourrais prendre cet aéroport pour justement envoyer des choses non traitées. Ça pourrait le faire, mais les ateliers se gèrent plutôt bien. Ça permet justement d'avoir des dépôts qui vont à un atelier et l'atelier qui lui... réparti sur des longues distances, alors que si un dépôt doit livrer à une frontière, en fait souvent il va faire des longs trajets, comme l'exemple le plus fameux ici, ce dépôt qui vient livrer jusqu'ici et il fait tout le tour de la ville là. Du coup il fait tout ça et pour faire tout ce trajet il galère et il se remplissait dans les épisodes précédents là. Je sais pas, là tout va bien, tout se passe pour le mieux, on a pas assez d'opium dans le secteur, tout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi t'as un espace? Toi t'as un espace? Toi t'en as pas? Toi t'as un... Donc toi tu vas t'occuper de... Non, j'ai misclic. Tu vas aussi t'occuper de cette résidence là, on lui fait une petite route en gravier parce que c'est le luxe pour aller... à cette ferme, tout ça pour augmenter très légèrement notre production de d'opium dans le secteur. Mais comme je le dis depuis 5 minutes, on va s'arrêter là. On est en train quand même de gagner, on a plus d'argent sale qu'avant en stock, on réussit pas mal à le transformer en argent propre, on gère mieux. On gère mieux clairement. Je vais essayer de continuer cette série. Par contre, je me suis quand même rendu compte que depuis que depuis que c'est la fin des missions scriptées avec du texte, je m'amuse un petit peu moins. Voilà, c'est perso, mais le jeu est toujours sympa. Donc peut-être qu'on passera un épisode par semaine. Surtout que pour mon temps, je pense que je vais ne plus avoir autant de temps dispo rapidement. Donc va falloir que je fasse des choix parmi les séries en cours. Et bon, un jeu en early access, on n'est peut-être pas obligé de le poncer à 200% non plus.
Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu quand même. J'espère que vous avez aimé suivre cette série jusqu'ici et pour la suite, hein, que je vous ai un peu donné envie de faire de l'horticulture sur ce jeu qui quand même me plaît beaucoup, juste que c'est un jeu en early access et voilà quoi, quand on y joue une heure ou deux, on a envie de continuer, quand on commence à voir la suite, on se rend compte qu'il manque quand même des choses pour aujourd'hui. Après, les développeurs restent à faire des nouvelles features, alors pour le moment pas beaucoup de features niveau interface, gestion, à voir s'il y aura des choses un peu plus late game. Voilà. Là, comme tout le monde, hein, j'ai beaucoup trop d'argent sable par rapport à mon argent propre. Sauf que mon argent. Sauf que, voilà quoi, toutes mes villes maintenant ont tout ce qu'il faut pour remplacer l'argent. L'argent sale par. Enfin, pour le blanchir, voilà, je trouvais plus le mot. Toutes mes villes le font au maximum. Et on n'y arrive pas, tout simplement. On n'arrive pas à tout convertir, donc j'ai pas de raison qui me pousse à passer sur la coca ou sur la meth. Voilà. C'est ça. Je crois que c'est atelier de coca et tout ça, c'est censé, si je reclique. Hop, on enlève. Si je clique là, la coca et la meth. C'est bien ça. Donc j'ai aucun attrait à aller dans les trucs plus poussés. Après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de fermes, des plantations, mais le jeu nous donne ces possibilités-là. Il faudrait peut-être qu'ils nous disent « Ouais, mais il faut plus d'espace, même les fermes les grossir un petit peu, comme ça on peut moins les coller, si vous voulez. » Bref, cet outro était beaucoup plus long que ce que je voulais, désolé. J'espère quand même que tout ça vous plaît. Et moi, je suis quand même pas déçu du jeu, je vous rassure. Et je vous dis à très vite.